Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour Jean-Gloire, bonjour Henri, bonjour Frédéric, Christina, bonjour à tous. Eh ben, je suis ravi de vous retrouver en ce 7 mai, marque le début du printemps parce que je ne sais pas chez vous, mais moi j'ai les premiers rayons de soleil de l'année, j'en suis très heureux. Bonjour Victor, bonjour Victoire, ben, c'est super, on va être nombreux, ça va être sympa. Je vous présente Yuri Bonjour, Borati. bonjour, bonjour. Qui va aujourd'hui nous parler de sa société, Angélis, et d'un dispositif surtout que vous connaissez probablement tous de nom, que vous avez peut-être pour certains déjà utilisé pour vos clients, à savoir le déficit foncier, qui va probablement prendre un nouvel essor dans les mois et peut-être années qui viennent, avec les changements de réglementation, notamment la fin du dispositif Pinel. Et le but, avec Yuri aujourd'hui, c'est de vous présenter ce dispositif, de rappeler dans un premier temps vraiment les fondamentaux, la base de ce qu'est le déficit foncier. Profitez-en, quel que soit votre niveau de connaissance du sujet, pour poser toutes vos questions. On y répondra. Moi, je les lirai en live si elles correspondent au moment de la présentation de Yuri. Et l'idée, c'est de passer en revue un peu ce dispositif pour le faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas, mais aussi de pouvoir répondre à des questions plus pointues à ceux d'entre vous qui en auraient. Je vais laisser la parole dès maintenant à Yuri. Yuri, je te propose de te présenter et puis de nous présenter aussi ton groupe. Par la même occasion. Tout à fait. Alors, avant de passer les slides qui vont vous expliquer, j'espère, de manière simple, le déficit foncier, moi, donc, je suis Youri Burati, je suis associé dans le groupe Angélis, ça va faire maintenant, je pense, 8 ans, et j'ai pour charge de créer les programmes et également de les commercialiser au CGP et aux différentes plateformes. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en trois points. Le premier sera une présentation succincte du groupe. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet du déficit foncier. Alors, pour ceux qui ont déjà de la culture du déficit foncier, il y a peut-être des choses qui seront redondantes, mais il faut qu'on prenne les choses à la base, avec bien entendu des exemples. Mon objectif, une fois que ce webinaire sera terminé, c'est que voilà, vous puissiez reproduire sur un papier une présentation de déficit foncier à vos clients. Parce que je pense que quand on est face à un client et qu'on est capable de lui dire, voilà, vous avez tant de bénéfices fonciers, si on fait une opération avec tant de travaux, voilà ce qui se passe concrètement sur le revenu global, sur le report, sur les économies fiscales, etc. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent parce que je m'aperçois, faisant moi-même quelques visios avec des clients et des CGP, que les explications ne sont pas forcément toujours très claires et très limpides. Donc c'est ça l'objectif. Et au final, on regardera un petit peu les différentes opérations qu'on peut proposer et que vous retrouverez évidemment chez GridKey sans aucune difficulté. Alors, je vous propose qu'on partage l'écran. Alors, je ne suis pas un grand expert, Alors, mais pendant que Yuri partage l'écran, je vous invite à regarder l'onglet questions. Donc, dans le petit panneau que vous avez à droite, vous pouvez l'utiliser pour bien nous écrire en temps réel. Et moi, comme je vous disais tout à l'heure, je les lirai à Yuri. voilà. Donc, aujourd'hui, on va lever le mystère sur ce fameux déficit foncier. On va parler des fameux 10 700 ou des 21 400. Dans quel cas on peut faire 21 400, dans quel cas on peut faire 10 700 déductibles du revenu global. On va parler du jeu du report. On va parler comment est-ce qu'un client génère un bénéfice foncier. Qu'est-ce qu'on peut prendre en charge, comment on peut le faire. Et avec des exemples que vous allez voir rapidement. Mais au préalable, donc le groupe Angélis Group existe maintenant depuis 22 ans. Et on travaille principalement, donc on est opérateur, hein, ça veut dire que c'est nous qui allons acheter les immeubles, c'est nous qui les découpons, c'est nous qui mettons la partie des travaux inhérents aux économies fiscales, et on travaille sur les dispositifs classiques de l'immobilier rénové, à savoir monuments historiques, Malraux, déficit foncier. On faisait du Pinel ancien, mais les taux étant tellement mauvais maintenant, qu'il n'y a plus personne qui veut du Pinel ancien. En revanche, le Denormandie, ça peut avoir du sens parce que le Denormandie est encore le seul dispositif qui a conservé les taux de 2022. Donc ça peut avoir du sens. Et on a quelques opérations en déficit, en Denormandie, je veux dire. Dans le groupe, on est un peu plus de 85 collaborateurs. Pour vous donner quelques chiffres rapidement,
En 2023, on a eu un petit peu plus de 30 millions de production. On avait un objectif assez ambitieux début 2024 de 40 millions d'euros. On va voir ce qui va se passer, puisque évidemment, tout le monde sait que même si les banques diminuent un petit peu leurs taux, les gens sont toujours dans l'attente. Et on discutait juste avant ce webinaire avec Tristan de la politique des uns et des autres, en avant, en arrière, ce qui peut créer la confusion dans la tête des investisseurs. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que l'objectif de 2024 va pouvoir se réaliser. On a un capital social de 8 millions et 10 000 euros. Alors, me demandez pas pourquoi 10 000 euros, c'est un jeu de comptable, je n'en sais rien. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce capital, il n'est pas propriété d'un fonds de pension d'une banque. Nous sommes trois associés au sein du groupe, détenteurs de ce capital-là. Et ça a du sens, puisque lorsque vous faites rentrer une société, fonds de pension ou autre, dans une entreprise, c'est très bien, vous avez du cash, mais la contrepartie, c'est de verser un dividende qui est pharaonique et ça se répercute forcément sur les prix. En chiffres, rapidement, on a mené depuis donc 22 ans un peu plus, je pense, de 170 opérations rénovées, livrées. Et aujourd'hui, on a un volant d'environ 530 logements en cours de rénovation. Et c'est un volant qui se déplace dans le temps entre les opérations qui sont livrées et les nouvelles opérations qui arrivent. Ça veut dire que nous devons mener de front environ 530 logements à rénover de manière permanente. Et ça se fait grâce aux équipes qui sont à Perpignan, puisque la majorité des gens sont à Perpignan. Moi, je vous parle de Paris, de ma cuisine que vous devez voir en arrière-plan. Mais le gros des troubles est à Perpignan. Et on essaye de se positionner sur des villes qui ont du sens, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier, Bordeaux. Et on a également pour objectif de pouvoir vous proposer des lots qui sont de petite facture. J'entends par là, pas des lots qui font 500 ou 600 000 euros, mais des lots qui sont entre, allez, 180 et 250 000 euros, parce que c'est plus entendable auprès d'une banque de financer ces lots-là, même si le client a un bon profil. Donc voilà un petit peu les grands traits de ce groupe-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors là, je reprends vraiment le basique du basique. Vous savez que lorsque nous travaillons tous, que nous soyons salariés, que nous soyons indépendants au BNC, que nous soyons aux bénéfices agricoles, peu importe la catégorie des revenus, ces revenus sont soumis à ce qu'on appelle le barème progressif, que vous voyez apparaître ici, donc décomposé de différentes tranches de 0 à 49%. Et donc, les revenus sont taxés suivant ces différentes tranches. Donc, en fonction de la volumétrie et de l'importance des revenus, vous aurez des gens qui auront la tranche à 41 qui sera dotée de X milliers d'euros, d'autres qui s'arrêteront juste à la tranche à 30, mais c'est comme ça que l'impôt est calculé en fonction des différents barèmes. Et il y a une notion qui est importante, c'est une notion de définition. Quand on parle de réduction d'impôt, on est d'accord que c'est une somme que l'on enlève de l'impôt à payer, type Malraux type Pinel, donc c'est une somme qu'on retire de l'impôt. En revanche, lorsqu'on parle de déduction fiscale, c'est une somme qui vient diminuer le revenu imposable. Et ça a du sens pour une raison très simple, c'est qu'on est tous soumis au prélèvement à la source, et ce prélèvement à la source a été fabriqué pour justement suivre soit des hausses de revenus, soit des baisses de revenus pour pouvoir ajuster l'impôt. Or, lorsqu'on va faire une opération en déficit foncier, on va venir écraser une partie du revenu imposable, puisque le bénéfice foncier vient en plus des salaires et va dans ce revenu imposable. Donc, si on diminue de manière artificielle ce montant-là, on va pouvoir donc aller sur impots.gouv et faire diminuer immédiatement son prélèvement à la source. Et ça, c'est un bon argument commercial de dire aux gens, n'attendez pas la fin de l'année comme la majorité des gens font. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, vous faites de l'avance de trésor au trésor public. Alors que si vous faites une opération janvier, février, mars, rapidement en début d'année, ben, vous pourrez bénéficier de votre avantage fiscal tout de suite en allant simplement faire la déclaration sur impots.gouv pour éviter de faire de l'avance de trésorerie à l'État. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion en tête. Ça peut être un bon argument commercial. Ensuite, je reviens sur ce qui nous intéresse, à savoir le bénéfice foncier. Alors, on verra juste après comment se produit et comment se calcule un bénéfice foncier, mais il faut savoir que le bénéfice foncier est soumis à une double taxation. La première, c'est qu'effectivement, il rentre dans le barème progressif, donc il augmente le revenu imposable du client. Ça, c'est la première taxation. Mais comme en France,
même pas les propriétaires bailleurs. On va soumettre également ce bénéfice foncier à ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, CSG, RDS, remboursement de la dette sociale, contribution sociale généralisée, pour une valeur aujourd'hui de 17,2%. Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un a 10 000 euros de bénéfice foncier et qu'il est dans un exemple ici à une tranche à 30%, la plus grosse des tranches, supposons que ça soit le cas, eh bien ces 10 000 euros, il aura donc 3 000 euros de taxation, plus sur ces 10 000 euros, 17,2% de prélèvements sociaux pour une valeur de 1 720 euros. Donc en fait, il aura sur 10 000 euros de bénéfice foncier 4 720 euros de fiscalité. Et là, j'ai pris que la tranche à 30. Si on prend la tranche à 41, 45 ou 49, évidemment, on augmente cette partie-là. C'est pour ça que, comme la taxation des bénéfices fonciers est extrêmement importante, la défiscalisation des bénéfices fonciers est également très puissante. Pour la petite histoire, pour ceux qui ont un petit peu de cheveux blancs comme moi, ces fameux prélèvements sociaux, à l'époque, c'était donc Michel Rocard, qui est feu Premier ministre il y a une trentaine d'années, qui avait donc décidé de créer cette taxe supplémentaire justement pour rembourser la dette sociale. Et il nous avait juré, craché à l'époque, que ça ne durerait qu'un an. Et à l'époque, je vous rappelle, c'était 1,1%. Eh bien, 30 ou 35 ans après, cette taxation est passée à 17,2% et elle est assise sur une quantité de revenus absolument pharaonique. Ce qui veut dire que la parole politique, je ne fais pas de politique, mais il faut s'en méfier parce que les promesses n'engagent que ceux qui les disent. Donc voilà un petit peu les différentes définitions, barème progressif, définition entre réduction et déduction et la manière dont sont taxés ces différents bénéfices fonciers. Maintenant, on va voir sur le slide suivant comment est-ce qu'un propriétaire bailleur va construire un bénéfice foncier. Et juste avant, je vais vous indiquer les différentes obligations à respecter. Alors, il y a un avantage certain au déficit foncier, c'est qu'il ne fait pas partie du plafonnement global des niches fiscales. Vous savez, quand vous faites un Pinel, vous êtes obligé d'aller voir le client s'il a une femme de ménage, s'il a, je ne sais pas, des frais de crèche, etc. Et l'intégralité de l'avantage fiscal qu'on peut tirer eu égard à cela, à ce type de dispositif comme le Pinel, c'est 10 000 euros max. Là, en déficit foncier, on se moque des 10 000 euros. Donc ça, c'est le premier avantage. Ensuite, le second avantage, c'est que on n'est pas soumis à des conditions de ressources de locataire, on n'est pas soumis à des zonages, on n'est pas soumis à des plafonnements de loyer. C'est encore un espace de liberté qui nous est dédié et qui peut faire que ça peut susciter l'intérêt des clients parce qu'il n'a pas à s'occuper de toute cette partie-là. Évidemment, lorsqu'on achète un immeuble et qu'on fait sa rénovation, la contrainte, il faut que ça soit un immeuble d'habitation. Il faut qu'à l'origine de l'immeuble, lorsqu'on va rechercher les papiers de l'immeuble, ça soit de l'habitation. Et vous verrez certainement dans les stocks de GridKey, de temps en temps, des immeubles qui ont une destination de bureau à l'instant T en 2024, et pour autant, on fait du déficit foncier. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Vous m'avez dit que c'était de l'habitation, alors que là, c'est des bureaux. Oui, mais si cet immeuble-là, à l'origine, c'était de l'habitation, ensuite, il a été transformé en bureau. Si on arrive à prouver qu'effectivement à l'origine c'est de l'habitation, on peut imaginer du déficit foncier. D'accord? Après, il y a une chose qui est importante qu'on développera juste après, c'est ces fameux 10 700 euros et ces fameux 21 400 euros. Lorsqu'on fait une opération en déficit foncier, on achète un appartement dans lequel on fait des travaux de rénovation et d'amélioration. Et la charge de ces travaux va venir écraser tout ou partie d'un bénéfice foncier existant. Et si cette charge de travaux est supérieure au bénéfice foncier existant, de manière automatique et avec un plafond de 10 700 euros, on va venir déduire ce montant-là, dans un maximal de 10 700 euros, du revenu global. Et nos chers politiques, il y a une petite année, je pense, peut-être un petit peu moins, ont, à grand renfort de communication, expliqué que, ils autorisaient maintenant le doublement de ce plafond. Donc, au lieu de déduire 10 700 euros de son revenu global, à condition que la charge des travaux, je répète, dépasse le bénéfice foncier, c'est important, eh bien, on peut aller jusqu'à 21 400. Alors, sur le papier, c'est magnifique, sauf que, pour pouvoir bénéficier de ces 21 400, il y a tout un tas de contraintes que nous impose le législateur,
qui fait que eh ben finalement, dans le stock global national du déficit foncier, il y a très peu d'opérateurs qui vont aller jusqu'à 21 400, parce que dans un premier temps, je vous donne un exemple, il faut que les entreprises qui rénovent les bâtiments soient, hélas, la spécification RGE, qu'on appelle reconnu garant de l'environnement. Pour être RGE, il faut passer des formations. Pour passer des formations, ça a un coût. Et donc, forcément, les travaux faits par les entreprises qui ont maintenant formé leurs salariés à cette fameuse norme RGE, bah forcément, le coût des travaux est supérieur. Donc, tout ça, à mon sens, n'a été qu'un effet d'annonce. Et moi, quand je fais des simulations, je considère qu'on est à 10 700. Parce qu'on n'arrivera pas à tenir les 21 400 et que ça me paraît extrêmement risqué. Et même les cabinets d'avocats fiscalistes nous disent que les contraintes sont tellement importantes qu'il y aura des requalifications si les gens s'amusent à mettre 21 400 dans leur simulation au lieu de 10 700. Et on verra comment on agit sur ces 10 700 et comment, avec un exemple précis, on arrive à cette déduction. D'accord? Mais ça, c'est super important par rapport aux 21 400. De bien comprendre que c'est une réalité, c'est possible, mais peu d'opérateurs y iront parce que voilà, c'est une telle contrainte d'organisation que les gens n'y iront pas. Ensuite, vous avez une autre contrainte concernant le déficit foncier. Vous avez l'obligation de louer nu le bien. Donc, on est sur du revenu foncier, évidemment, on n'est pas sur du meublé comme du BIT. Et cette location nue, elle doit venir au 31 décembre jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation sur revenu global. Autrement dit, vous avez une charge de travaux qui vient impacter votre revenu global, c'est le compteur qui démarre. D'accord? Donc, ce que l'on dit en règle générale, si les gens décaissent en plusieurs fois les travaux, c'est le dernier décaissement qui va faire foi pour comptabiliser ces 3 ans d'obligation de location nue. Donc, prenez le parti de dire à vos clients qu'il faut louer nu pendant 3 ans. Après ces 3 années, si le client veut passer en loueur en meublé non professionnel, option réelle avec l'amortissement, il peut très bien le faire. Mais dans ce cas-là, les intérêts bancaires qu'il a contractés pour acquérir son bien ne seront plus déductibles, évidemment, dans le revenu foncier, puisque par définition, on aura switché sur du BIC. Donc, la contrepartie, c'est la location nue, considérée que c'est 3 ans à compter de la livraison, puisque ça sera le dernier décaissement des travaux. Enfin, si toutefois la charge des travaux, autrement dit le montant des travaux, est supérieur au bénéfice foncier, vous avez compris qu'il y a 10 700 euros qui viennent en déduction du revenu global, puis ensuite il y a une poche de travaux qui n'a pas été utilisée fiscalement. Eh bien, cette poche de travaux, elle n'est pas perdue. Elle se reporte pendant 10 ans. C'est pour ça que l'avantage fiscal lié à une opération en déficit foncier, elle a une durée de vie qui est assez importante et qui peut aller jusqu'à une dizaine d'années et qui permet chaque année au client de pouvoir effacer toute partie de son bénéfice foncier. D'accord? Donc la durée du déficit que tu préconises va dépendre du solde, du montant de ce solde en fait. Exactement, exactement. C'est pour ça que il y aura peut-être des questions qui vont venir sur le profil des clients éligibles à ce dispositif. En théorie, à partir, j'ai envie de dire, de 1 euro de bénéfice foncier, on pourrait imaginer une opération en déficit foncier, mais il y a une réalité économique et celle des stocks. Hein. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui a 3 000 euros de bénéfice foncier et qu'on compte rapidement 3 000 euros sur 10 ans, ça fait 30 000 euros de travaux, à peu près, hein, grosso modo, eh bien moi en stock et les concurrents aussi n'auront pas d'opérations dans lesquelles vous n'avez que 30 000 euros de travaux. Donc c'est pour ça que le profil client, à mon sens, il faut qu'il y ait au minimum 8 000 euros de bénéfices fonciers. Pourquoi? Parce que quand on fait le calcul rapidement, sur 10 ans, 8 000, ça fait 80 000. Supposons qu'il décaisse tout en une fois, il y a 10 700 en plus de travaux qui viennent en déduction du revenu global. Donc 80 plus 10 700, ça fait 90 700 euros de travaux. Et là, on peut commencer à trouver des toutes petites opérations avec ce montant des travaux. D'accord? Donc, c'est pour ça que le profil de client, moi, je l'ai défini à 8 000 euros de bénéfices fonciers, parce que ça correspond à une réalité économique et celle d'un stock des opérateurs. Et enfin, il y a une chose qui est très importante, c'est la nature des travaux qui sont susceptibles d'être défiscalisants. Ce n'est pas tous les travaux, ce sont les travaux dits d'entretien, de réparation et d'amélioration. D'accord? Je vous donne un exemple. Il se peut
que chez un opérateur, chez nous, chez d'autres, peu importe, l'opérateur décide dans un appartement de, par exemple, créer une fenêtre. Bon, parce qu'il faut l'éclairer, parce que c'est plus joli, parce que l'architecte lui a dit. Eh bien, les travaux inhérents à la création de cette fenêtre, eh bien, ne rentreront pas dans le cadre du déficit foncier, hein, puisque ça sera des travaux qui ne sont pas d'amélioration, mais des travaux comme si on créait une fenêtre neuve. Donc, ça veut dire que dans le montant des travaux déductibles, vous aurez 100% des travaux moins le coût dans mon exemple de cette fenêtre. Hein. Donc, vraiment, prenez soin lorsque vous avez des opérations de déficit foncier. Soit vous avez une garantie de bonne fin fiscale délivrée par un cabinet d'avocats fiscalistes, auquel cas c'est super, vous êtes sûr que c'est bon. Si vous faites travailler avec un opérateur qui n'est pas forcément au courant de tout cela, vraiment prenez en compte que ces travaux doivent être ceux de rénovation, de réparation et d'amélioration et rien d'autre. Sinon, ça ne marche pas. OK? Donc, ça, c'est le volant. Oui. Est-ce qu'il y a des notions de DPE, tu sais, comme un peu avec le Non. PTZ pour l'ancien? Non, il n'y a aucune notion de DPE qui est dans ce régime de droit commun. En revanche, chez nous, on livre les biens avec des catégories de DPE qui sont entre B et C, ce qui permet une location tout à fait louable. D'accord, mais il n'y a pas par exemple, pour justifier de la rénovation ou de l'amélioration, il n'y a pas, par exemple, de DPE à fournir pour dire on est passé d'un G ou Non, non, d'un absolument. F à un D. Ok, d'accord. C'est encore un petit espace de liberté. On verra comment ça évolue. Mais Profites-en. ce qu'il faut savoir, c'est que le déficit foncier, c'est une règle de droit commun. Ce n'est pas une loi de finances qui va avoir une durée de vie et qui va s'éteindre et on va repartir sur autre chose. Ça, c'est important. Ça dure depuis, je ne sais pas, 40, 50, 60 ans. Depuis que les revenus locatifs sont taxés, la notion de déficit foncier existe. Donc, c'est encore une partie qu'on peut assurer à son client sur cet aspect-là de continuité de cette règle de droit commun. Parce que si le législateur, un jour, veut changer cette règle de droit commun, ça va être une révolution parce qu'il y a plein de choses qui rentrent dans la règle de droit commun et qui peuvent être impactées si jamais il y a un changement. Donc c'est pour ça que personne s'y frotte trop. Hein. Les Ok. gens sont au Airbnb, ce genre de choses, mais au déficit foncier, les gens s'y frottent pas trop. Super. OK. Bah ça, c'est une très bonne info à avoir en tête, hein, parce que justement, tu parlais des Airbnb. Voilà, il y a pas mal de dispositifs qui sont sujets à des rumeurs, à même volontairement distillées par le gouvernement. Donc, on ne sait jamais trop ce qui se passera sous 6 mois, ne serait-ce qu'un semestre. Et là, au moins, on a un dispositif qui est ancré. Exactement, exactement. Et ça, c'est plutôt confortable lorsqu'on présente ce type d'opération à des clients qui sont toujours en train de se demander si on va changer les règles du jeu en cours de route. Alors, lorsqu'un investisseur achète des appartements ou qu'il a par héritage, peu importe, des appartements, il va donc devoir déclarer les loyers qu'il perçoit. Et il déclare ses loyers sur un imprimé qu'on appelle une 2044. C'est imprimé à deux colonnes, une colonne revenu et une colonne charge. Dans la colonne revenu que vous voyez ici, il va donc déclarer les loyers qu'il a encaissés. D'accord? Alors, petite précision qui est importante, lorsqu'on rencontre des clients et qu'on leur demande quel est votre bénéfice foncier, le client n'a pas forcément la connaissance de ce qu'on lui demande, le chiffre précis qu'on lui demande, et donc il va vous donner le montant des loyers qu'il encaisse. Alors attention, parce que face au loyer, il a des charges. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la résultante, la différence entre le revenu et les charges, et pas uniquement les revenus. C'est comme si vous êtes indépendant et qu'on vous demandait quel est votre revenu, que vous donniez votre chiffre d'affaires. Ça n'a aucun sens. Vous allez donner votre BNC et pas votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est exactement pareil. Il faut bien préciser au client, je veux, monsieur le client, le résultat de 2044. Je ne veux pas les loyers que vous encaissez. C'est pas ça. C'est pas là-dessus que je vais travailler. Bon. Donc ce client déclare ses loyers encaissés dans la colonne revenu. Et dans la colonne charge, qu'est-ce qu'il va déclarer? Eh bien, tous les frais inhérents à l'exploitation de ce ou ces appartements, taxes foncières, assurances, frais de syndic, intérêts du prêt, etc. Et après, automatiquement, impôts.gouv va faire la différence entre les revenus et les charges. Et si effectivement cette différence est positive, à savoir qu'il y a plus de revenus que de charges, là, on sera comme dans votre activité en BNC, vous serez en bénéfice.
foncier. Et c'est ce bénéfice foncier-là, le résultat donc positif, qui est taxé à deux reprises, une première fois, comme je vous l'indiquais précédemment, au revenu imposable, et une seconde fois aux charges sociales pour une valeur de 17,2. En revanche, si au début d'une acquisition, le client a pas mal d'intérêts bancaires, a fait des travaux, ce genre de choses-là, il aura une valeur de charge qui sera supérieure au loyer encaissé. Dans ce cas-là, il sera automatiquement en déficit foncier, et par définition, déficit ne se taxe pas puisque le résultat est négatif. D'accord? Donc, seul le bénéfice foncier est taxé à deux reprises. Donc, une première fois dans mon fameux revenu imposable 0, 11, 30, 41, 45, 49, et une seconde fois pour les fameuses charges sociales à hauteur de 17. Donc, si je prends l'exemple que j'évoquais précédemment, si j'ai un client dont la tranche marginale d'imposition ici est à 30% et qu'il a effectivement le résultat de sa 2044 qui fait 10 000 euros, il va avoir une première taxation sur son revenu global, donc 10 000 fois sa TMI, donc 30%, donc 3 000 euros. Et il aura également ces 10 000 euros qui seront soumis aux charges sociales, les fameux 17,2, pour une valeur de 1 720 euros. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Pour avoir déclaré 10 000 euros de bénéfices fonciers et étant uniquement et simplement à une tranche à 30, il aura une imposition totale de 4 720 euros, soit 47,2% de son bénéfice qui part à l'État. Et je fais le calcul avec une tranche à 41, 45 ou 49, on arrive à des montants complètement délirants. Mais c'est pour ça, comme je vous le disais, que l'effet de levier fiscal sur un déficit foncier, il est très important aussi. Donc ça, c'est le principe général d'une 2044. Et on va voir dans le slide suivant, expliqué de manière un petit peu différente, comment intervient cette fameuse charge de travaux lorsque le client est bénéfice foncier. Donc, on retrouve ici, présenté différemment même à 2044, les loyers, les différentes charges que paye déjà le propriétaire, et le propriétaire est en bénéfice foncier. Vous allez le voir, vous dites, monsieur, vous êtes en bénéfice foncier, donc vous savez que votre bénéfice foncier, monsieur le client, il est taxé à votre tranche marginale d'imposition auquel on rajoute les charges sociales pour 17,2. Donc, si vous achetez par mon intermédiaire un appartement très dégradé dans lequel vous faites faire des travaux dits de rénovation et d'amélioration, eh bien, cette charge de travaux, vous pourrez l'inscrire dans votre 2044 dans la partie charges locatives. Or, comme ce montant des travaux est toujours assez important, eu égard au loyer encaissé, vous allez donc écraser, grâce à cette écriture-là, le montant des loyers que vous avez déclaré. Et si vous écrasez le montant des loyers que vous allez déclarer, vous allez donc écraser votre bénéfice foncier, vous allez le ramener à zéro, et donc vous allez en économiser la TMI et les charges sociales. C'est comme ça que fonctionne un déficit foncier. Ce sont les travaux de rénovation qui viennent dans la colonne moins de ma 2044 et qui donc vont écraser toute ou partie du bénéfice foncier taxable. Si ça, c'est clair dans votre tête, vous verrez que le reste, c'est facile. Yuri, il y a Johan qui demande s'il n'y a pas une manière particulière de compter les intérêts du prêt en charge pour le déficit foncier. Bien sûr que si, il a parfaitement raison. C'est-à-dire que là, dans mon exemple simple, j'ai mis qu'on comptait uniquement les travaux de rénovation, mais va se rajouter à ces travaux de rénovation les intérêts bancaires de la nouvelle acquisition, que ce soit pour le foncier et pour les travaux, s'il y a un financement inhérent. Donc, on augmente évidemment la charge que l'on présente grâce à cette nouvelle acquisition. Il a parfaitement raison. OK pour tout le monde? Ouais, pour Alors, l'instant, c'est bon. pour l'instant, c'est bon. Bien. Là, je vais prendre un premier exemple. On est dans l'acquisition d'un appartement, donc avec des travaux de rénovation, bien entendu. Toujours mon fameux client qui a une TMI à 30%. Et il a toujours dans sa déclaration un résultat positif de 10 000 euros de bénéfices fonciers. Il achète cet appartement et il y fait réaliser 60 000 euros de travaux. Ces 60 000 euros de travaux, il décide de les payer en une seule fois. D'accord? Il paye ses 60 000 euros de travaux. Très bien. Avant qu'il ne fasse cette opération, il avait des loyers existants. Il avait bien entendu une taxe foncière, une assurance, des frais de syndic, des intérêts de prêt existants, et il avait une résultante qui était à 10 000 euros de bénéfice foncier. Il réalise ses 60 000 euros de travaux et donc il va pouvoir déclarer le règlement de ses travaux de 60 000. Or, ici,
Dans mon exemple, évidemment, les 60 000 euros de travaux, ils sont supérieurs aux bénéfices fonciers. Donc, ça veut dire quoi? On met un chiffre négatif sur un bénéfice foncier. Donc, ça veut dire qu'on va écraser la totalité du bénéfice foncier. Et si on écrase la totalité du bénéfice foncier, on va retrouver exactement ce que je vous indiquais tout à l'heure, à savoir une première économie de l'écrasement des 10 000 euros de bénéfices fonciers fois sa tranche, donc on économise 3 000 euros. Ensuite, évidemment, puisque le bénéfice foncier est ramené à zéro, les charges sociales qui grevaient ce bénéfice foncier ben, n'existent plus, puisque 17,2 de zéro, ça fait bien zéro. Donc on économise 1 720 euros. Et il va avoir, et c'est là où il faut que, on soit un petit peu attentif, ces fameux 10 700. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces fameux 10 700? On reprend le calcul qui est dessus. Lorsqu'on a décaissé et payé 60 000 euros de travaux et qu'on a 10 000 euros de bénéfices fonciers, sur cette poche de 60 000, on a donc déjà utilisé fiscalement 10 000 pour mettre le bénéfice foncier à zéro. Donc, il reste une poche de déficit de 50 000 euros, hein, 60 moins 10. Eh bien, dans la mesure où on a cette poche de déficit qui n'a pas encore été utilisée, souvenez-vous, il y a un plafond maximale de 10 700 euros qui se fera automatiquement à la déclaration, qui va permettre au client de déduire de son revenu global ces fameux 10 700 euros. Donc, je répète, on décaisse 60 000, de ces 60 000, on utilise 10 000 pour écraser le bénéfice foncier, on a une poche restante de 50 000 euros, de laquelle automatiquement l'État va déduire du revenu imposable du client une valeur de 10 700 euros, qui est le plafond, bien entendu. Et donc, il va rester quoi? 50 000 moins 10 700 qu'on vient d'utiliser. Il va donc rester 39 300 euros de déficit non encore utilisé fiscalement. Eh bien, c'est là où le jeu du report pendant 10 ans intervient. C'est-à-dire que cette poche de déficit qui n'a pas encore été utilisée fiscalement va se reporter sur l'année suivante, puis l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. D'accord? Il y a une chose qui est importante, parce que je vois ça souvent dans les simulations, c'est que à partir du moment où on a cette poche de déficit que l'on peut reporter sur 10 ans, eh bien, chaque année, les gens dans les simulations utilisent les fameux 10 700 euros. Et pourquoi c'est une erreur? Pour la raison très simple, c'est que pour pouvoir avoir ces fameux 10 700 euros déductibles de revenus global, il faut que la charge des travaux soit supérieure au bénéfice foncier. Or, le report n'est pas une charge de travaux, c'est juste un report comptable. Donc, si on prend cet exemple simple ici, les 39 300 qui seront reportés sur l'année N plus 2, plus 1, pardon, eh bien, ça sera 39 300 qui vont venir écraser le bénéfice foncier. Donc, on aura une économie fiscale uniquement de 30% qui est la TMI de la valeur du bénéfice foncier, plus ces 17,2, les fameux 4 720 euros. Pas un sou plus. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on voit que l'économie d'impôt au premier décaissement, c'est la tranche, ça tout le monde a compris, les charges sociales, tout le monde a compris, et mes fameux 10 700. D'accord? Je prends un autre exemple, parce que souvent j'ai la question, si ici, j'avais uniquement décaissé, mettons, 15 000 euros. D'accord? Au lieu de 60 000 euros de travaux, j'en décaisse que 15. Vous êtes d'accord que sur cette enveloppe de 15, je vais en utiliser 10 pour écraser le bénéfice foncier, il va m'en rester 5. Eh bien, les 5 vont remonter automatiquement sur le revenu global. Et comme on n'est pas au plafond de 10 700, il n'y aura que 5 000 qui vont venir se déduire du revenu global. D'accord? Si l'année d'après, je redécaisse une plus grosse somme, mettons, je vais redécaisser 20 000 euros, l'année suivante, eh bien, je vais utiliser 10 000 euros pour écraser le bénéfice foncier. Il va me rester donc 10 000 euros. Eh bien, ces 10 000 euros iront directement sur le revenu imposable et ça sera 10 000 et pas 10 700. Et rien sur le report. Et si la troisième année, vous inquiétez pas, il y a un exemple qui va suivre, si la troisième année, le client décaisse, dit n'importe quoi, 100 000 euros de travaux, eh bien, on va utiliser 10 000 euros de ces 100 000 pour écraser le bénéfice foncier. On aura donc 90 000 euros de poche de déficit non encore utilisée. De ces 90 000 euros, là, on est au plafond des 10 700, donc il y aura 10 700 qui vont revenir sur le revenu global, et le reste de cette poche non utilisée, eh bien, elle sera reportable pendant 10 ans. Donc, ces fameux 10 700 dépendent de la quantité de travaux que vous décaissez,
et à condition que ces travaux soient supérieurs aux bénéfices fonciers. S'ils ne sont pas supérieurs aux bénéfices fonciers, si on décaissait que 10 000 euros de travaux, ben on n'aurait que l'effet de l'écrasement du bénéfice foncier et rien sur le revenu global, puisque par définition, si on décaisse 10 000, on utilise 10 000, il reste zéro. Donc là, il y a Alors, un ajout important dans ce que tu dis, c'est que les travaux ne sont pas forcément lissés. On peut décider du montant qu'on décaisse chaque année pour, par exemple, le faire coller à tes revenus. exactement. Alors ça, c'est la théorie aussi, parce que derrière, il y a un opérateur qui, si lui, il avance dans son chantier, ne peut pas attendre que le client dise, ben non, moi, je veux décaisser que tant et je veux garder un solde pour l'année suivante parce que ça m'arrange fiscalement. Donc ça, c'est à voir avec l'opérateur comment il fonctionne. Mais OK. effectivement, on peut choisir combien on va décaisser de travaux pour pouvoir optimiser au maximum la fiscalité. Donc peut-être qu'avec toi, tu vas avoir un calendrier de travaux et donc des décaissements qui seront annoncés dès le début, dès que tu investis. Mais si tu fais ça en dehors d'une opération comme celle-là, que tu achètes toi, que tu fais ton déficit foncier dans une grange, que sais-je, là, pour le coup, tu vas pouvoir jouer un peu plus finement avec tes revenus. Exactement, exactement, c'est OK. exactement. Donc ça, c'est Il y a important de comprendre. Michel. Excuse-moi, Michel pose une question. Est-ce que l'on tient compte de l'abattement du micro-foncier? Non, parce que quand on est en déficit foncier, quand on est en micro-foncier, on a un abattement forfaitaire. Alors, je ne sais plus combien il est de 70% si ma mémoire est bonne, mais comme je ne travaille pas beaucoup, je ne sais plus. Et par définition, l'abattement du micro-foncier, il est là pour compenser les charges. Or, quand on décide de passer au réel, ce qui est le cas ici, on ne peut pas utiliser le micro-foncier. Il faut faire passer le client au réel et l'année suivante lui faire faire une opération. Un micro-foncier, c'est un abattement forfaitaire et on n'en parle plus. Donc, ce n'est pas possible. OK pour ça? Michel, Alors, si ça répond à ta question, c'est parfait. il y a Vas-y, une. je t'en prie, enchaîne, et puis si Michel a d'autres questions. Il y a une chose qui est importante. Comprenez bien que lorsqu'on décaisse, comme dans mon exemple ici, 60 000 euros de travaux one shot, vous êtes d'accord que on va entre guillemets gaspiller 10 700 euros une seule fois. Alors pourquoi je dis gaspiller? Parce que les fameux 10 700 euros qui viennent diminuer le revenu imposable n'auront un effet de levier qu'à la tranche marginale d'imposition et pas à la CSG, puisque par définition, et encore heureux, le revenu imposable n'est pas soumis à la CSG. D'accord? Donc bien souvent, le conseil à donner aux clients, c'est de dire, voilà, vous achetez un appartement, vous y faites faire n'importe quoi, 150 000 euros de travaux, vous avez tout intérêt, monsieur le client, à verser sur le compte de l'ASL, on verra si vous développez après, bref, vous avez intérêt à payer ces travaux le plus possible en une seule fois, pour la raison suivante, c'est que si vous les payez en une seule fois, vous aurez une seule fois 10 700 euros qui n'aura un effet de levier qu'à la tranche marginale, et tout le reste de la poche, comme ça se reporte sur 10 ans, on va venir impacter un bénéfice foncier qui, lui, est taxé à la tranche plus la CSG. Donc, ce n'est pas la même. Donc, ça, il faut bien faire attention. Je prends un exemple. Si le client décaisse en 3 fois ses travaux, hein, par exemple, ici, sur les 60 000, il va décaisser 20, 20 et 20. Eh bien, si on a 20 000 ici, vous êtes d'accord que on va utiliser 10 000 pour écraser le bénéfice foncier, il va nous rester 10 000 qui vont aller sur le revenu imposable et qui vont avoir un effet de levier qu'à la tranche marginale d'imposition. L'année N plus 1, il refait la même chose, il a de nouveau 10 700, enfin 10 000 dans mon exemple, qui repartent sur le revenu global, qui ne sont taxés qu'à la tranche, etc., etc. Alors que s'il a décaissé 60 000 d'un coup, il n'a qu'une seule fois les 10 700 avec un effet de levier à la tranche qui est dans mon exemple à 30%, et tout le reste des travaux vont avoir un effet de levier à la tranche plus les 17,2. Donc 30 plus 17,2, 47,2. Donc ça, c'est important de bien faire comprendre ça au client, même si le client vous dit oui, mais moi, je ne suis pas sûr que si je décaisse 100%, la personne ne part pas avec la caisse, etc. Auquel cas, il faut peut-être faire un webinaire sur le fonctionnement d'une ASL, parce que ça, c'est impossible. Alors c'est possible si effectivement le client travaille en direct avec un entrepreneur et pour des raisons fiscales, il lui verse 100% des travaux et que ça va sur le compte de l'entrepreneur. Oui, là, il peut y avoir danger. Mais dans les opérations d'opérateurs nationaux, nous et les autres, on a toujours un garde-fou qui s'appelle l'ASL, l'Association syndicale libre. Et en fait, les fonds travaux ne vont pas sur le compte des entrepreneurs, vont sur le compte de cette ASL dont fait partie le client. Et ensuite, cette ASL paye les travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc, il faut bien faire attention à ça et bien savoir expliquer au client, non, monsieur,
Moi, je suis là pour optimiser votre partie fiscale. Après, vous ne voulez pas, c'est votre décision, mais je me dois de vous dire qu'il faut verser 100% des travaux parce que vous allez gagner un peu plus d'avantages fiscaux que si vous versiez en plusieurs fois. Michel, se pose la question de la tranche à 49, il n'en avait jamais entendu parler. Alors, 49, c'est ce Est-ce que qu'on tu appelle peux nous en parler? l'amendement Fillon. Hein. C'est la La quoi, contribution. pardon? L'amendement Fillon, à l'époque où François Fillon était Premier ministre, il a pondu une contribution spéciale sur les hauts revenus. Donc les tranches des barèmes, c'est de 0, 11, 30, 41, 45. Et quand vous gagnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on rajoute un petit peu. Alors pour vous donner un ordre d'idée, pour un célibataire, il faut qu'il gagne plus de 500 000 euros par an pour accéder à cette tranche à 49. Hein. C'est la contribution spéciale sur les hauts revenus. C'est l'amendement Fillon. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas tous les jours des gens qui gagnent 2, 3, 4 millions d'euros, C'est évidemment. pour ça. C'est pour ça qu'on ne la connaît pas, mais néanmoins, elle existe. Alors, comprenez quelqu'un qui est fortuné, qui a des appartements et qui est à une tranche à 49, lorsqu'il déclare ses bénéfices fonciers, c'est 49 plus 17,2. Hein, donc, ça fait 50, ça fait 49, ça fait 50, presque 60%, 61% de taxation. Donc, quand on lui fait une opération de déficit foncier, il économise 60% de fiscalité, ce qui est énorme. Hein. Donc, c'est pour ça que la tranche à 49 existe, amendement Fillon. Merci pour ta précision. Allez, on continue. Alors ça, c'est le dernier slide. On va vraiment le détailler parce que c'est ce que je voudrais que vous arriviez à faire chez un client pour lui expliquer comment fonctionne une opération déficit foncier. Parce que même si le client vous dit, on en a tous connu, oui, je sais, je sais, je sais, en réalité, quand vous grattez 2 minutes, il sait rien. Hein. Donc c'est à nous, en tant que conseiller, à lui apporter la bonne solution. Et ça, il faut que vous arriviez à le faire sur un papier, en démonstration, en simple, j'ai envie de dire à l'ancienne. Bon. Donc là, je prends l'exemple d'un client qui a une tranche marginale d'imposition à 41%. Il a toujours 10 000 euros de bénéfices fonciers. Bon, très bien. Il achète un appartement et il y fait faire des travaux pour une valeur totale de 120 000 euros. Le client n'a pas suivi les conseils de son CGP et n'a pas décidé de décaisser ses travaux en une seule fois. Il a décidé de le décaisser en 3 fois sur l'exercice 24, 25 et 26, à concurrence chaque fois de 40 000 euros. Bon. Donc il achète, il passe chez le notaire, il est donc titré, il est propriétaire, et ensuite il va donc payer sur le compte de l'ASL ou à l'entrepreneur, suivant comment il a articulé son opération, 40 000 euros de travaux sur 2024. Il a déjà de ses ou son appartement précédent un bénéfice foncier taxable de 10 000 euros. Il décaisse donc 40 000. Eh bien, le déficit restant, qui n'a pas encore été utilisé fiscalement, c'est 40 moins 10, c'est 30 000 euros. Ça suppose que la charge des travaux étant bien supérieure au bénéfice foncier, on va donc mettre ce bénéfice foncier à zéro. Et donc, si on met ce bénéfice foncier à zéro, vous avez ici la taxation liée à la tranche de 41% sur le revenu global qui était de 41% pour une valeur de 4 100 euros. Donc, on lui fait déjà économiser 4 100 euros. Et comme on a ramené son bénéfice à zéro et que même si on met les charges sociales à 17,2 sur zéro, ça fait toujours zéro. Donc, on lui a fait économiser 1 720 euros qui correspond à la taxation dite des charges sociales. D'accord? Ça, c'est la première économie liée à l'écrasement de son bénéfice foncier. Ensuite, on a vu donc qu'on a utilisé sur ces 40 000, 10 000 pour écraser ici le bénéfice foncier. Il reste donc une poche de déficit de 30 000 euros. 30 000 euros, c'est supérieur à 10 700. Donc, on va aller chercher de manière automatique le plafond des 10 700 qui viendront se déduire du revenu global. D'accord? Donc, on va imputer. Et je vous rappelle, il n'y a pas d'action particulière à faire sur la déclaration, ça fait tout seul. Donc, on va utiliser de cette poche de 30 000 euros le plafond des 10 700 qui vont venir en déduction du revenu global. D'accord? Et cette déduction du revenu global, dans la mesure où la TMI est à 41, l'économie qu'on va en faire, c'est 10 700 euros fois 41%, à savoir 4 387 euros. Qu'est-ce qui va se passer après? On a donc de ce déficit de 30 000 euros utilisé 10 700,
Donc, on a 30 moins 10 007. Il reste un montant de travaux qui n'a pas été utilisé fiscalement, j'entends bien, qui, lui, va être reportable sur l'exercice 2025. Conclusion, la première année, quand mon client a versé mes 40 000 euros de travaux, on a trois effets de levier. Les deux premiers sont liés à l'écrasement du bénéfice foncier, puisque le bénéfice foncier est taxé à la TMI et aux charges sociales. Et le deuxième, c'est ces fameux 10 700 euros qu'on a pu ainsi déduire, puisque la charge des travaux, était, ce qui restait en termes de travaux non encore utilisés fiscalement, était supérieur à 10 700. Donc, on va au plafond à 10 700. Donc, 40 000 euros de travaux, économie d'impôt, 10 207 euros. 2024 se passe, les travaux avancent, etc. Arrive 2025, mois de mai, où il faut faire sa déclaration. Eh bien, le ou les appartements avaient déjà, mon investisseur, j'ai considéré qu'il avait toujours un résultat fiscal d'un bénéfice foncier de 10 000 euros. Et moi, en tant que client, je n'ai pas suivi les conseils de mon CGP parce que je suis un peu têtu. Et je paye sur l'exercice 2025 40 000 euros de travaux sur la poche des 120 que je dois à l'entrepreneur. Bon, même principe. De ces 40 000, on utilise 10 000 en négatif sur la 2044 pour venir écraser ce fameux bénéfice foncier. Comme on écrase et qu'on met à zéro le bénéfice foncier, on a deux effets de levier. Le premier qui est la tranche marginale d'imposition à laquelle le client est soumis, à savoir 41% fois 10 000 pour calculer l'effet de levier pour 4 100 euros. Et comme on a écrasé le bénéfice foncier, même si on multiplie par les charges sociales dues, 0 fois 17 2, ça fait 0. Donc, on lui fait économiser en même temps les fameuses charges sociales pour une valeur de 17 2 du bénéfice foncier de 10 000 que l'on a ainsi supprimé. D'accord? Je reviens ici. Donc, il me reste 30 000 euros, 40 moins 10, 30 000 euros de poche de déficit que je n'ai pas encore utilisé fiscalement. Je vais donc aller directement imputer le plafond maximal puisque mon déficit non utilisé est supérieur à 10 007. Donc, je m'arrête, je bloque à 10 007. D'accord? Et donc, je déduis de mon revenu imposable 10 700 euros. Comme j'ai une tranche à 41, l'économie qui sera générée par ces 10 007, c'est 41 fois 10 007, à savoir 4 387. Ensuite, il va donc me rester 30 000 moins 10 007 que je viens d'utiliser. Il me reste au titre de l'exercice 2025 19 300 euros. D'accord? Donc, ces 19 300 euros, ils seront à reporter sur l'exercice 2026. Mais, souvenez-vous, l'année précédente, on avait un déficit reportable qu'on n'a pas encore été utilisé. Donc, ça veut dire que le déficit reporté de l'année 2024, on va le retrouver ici. On va retrouver le déficit reportable de l'exercice en cours, les fameux 9300 aussi. Donc, en réalité, on va cumuler les deux déficits non utilisés fiscalement, celui de 2024 et celui de 2025, pour un déficit total reportable de 2 fois 19 300 euros, à savoir 38 600 euros qui vont aller se basculer sur l'exercice 2026. D'accord? Donc là, on retrouve les mêmes constantes. Pour avoir décaissé 40 000 euros de travaux, je me retrouve avec un gain fiscal à hauteur de 10 207 euros. Bon. L'année se passe, 2026 arrive, je suis de nouveau au mois de mai 2026. Et là, j'ai utilisé sur le devis travaux que j'avais, sur les 120 000, j'ai déjà utilisé 4 et 4, 8, j'ai déjà utilisé 80 000 euros. Donc, je vais verser le solde des 40 000 euros. Donc là, même chose, je reprends, pardonnez-moi pour certains si c'est redondant, mais je pense que c'est important de reprendre chaque fois. Non, mais comme ça, c'est très clair, c'est très bien. Ouais, sinon, on ne s'en sort pas. Donc, je paye 40 000 euros de travaux. J'ai par ailleurs, de mes appartements précédents, 10 000 euros de bénéfices fonciers. Donc, j'ai créé une charge de travaux sur ma 2044. Donc, je vais, de cette charge de travaux des 40 000 euros, utiliser 10 000 pour venir écraser mon bénéfice foncier. D'accord? Donc, si j'écrase mon bénéfice foncier, par définition, je vais avoir une économie fiscale de 41% de 10 000 euros, puisque mes bénéfices fonciers sont taxés à ma tranche marginale d'imposition qu'on avait définie préalablement ici, à savoir 41%. Donc, je vais économiser 4 100 euros. Comme j'ai ramené mon bénéfice foncier à zéro, même s'il est soumis aux charges sociales,
À 17,2, 0 fois 17,2, ça fait bien 0. Donc, je fais économiser également à mon client mes fameuses charges sociales, donc 10 000 fois 17,2. Donc là, je vais réaliser une économie de 4 100 plus 1 700 bas. Très bien. On revient en haut. On a donc une poche globale qui reste de 30 000 moins les 10 700 qu'on vient d'utiliser sur le revenu global. On a une poche globale de l'exercice 2026, 30 moins 10 700, 19 300. On n'oublie surtout pas ici la poche de déficit de l'exercice précédent qui se cumule évidemment avec la précédente, mais on avait un volant de 38 600 euros. Donc en réalité, le déficit total reportable de l'exercice 2026 que l'on va pouvoir reporter sur l'exercice 2027, il est celui de 2025 plus celui qu'on vient de créer en 2026, 38 plus 19, 57 900 euros. D'accord? Donc cette poche-là, puisqu'on a fini de payer les travaux, elle va simplement se reporter sur des revenus dits catégoriels, donc de même nature, à savoir des bénéfices fonciers. Et donc l'effet de levier, je peux le calculer très facilement en disant au client, voilà monsieur, je ne compte pas les intérêts bancaires, mais dans le principe, vous avez cette poche de 57 000 euros qui n'a pas été utilisée fiscalement, qui va se reporter pendant 10 ans. Vous avez une taxation à 41 plus 17,2, donc vous avez une taxation à 58,2%. Donc l'effet de levier sur cette poche de déficit sera de 58,2% fois 57 900 euros, hein, répartis sur plusieurs années. Alors après, on peut le calculer différemment en disant, voilà monsieur, vous avez 57 900 euros de poche de déficit non utilisée, vous avez 10 000 euros de bénéfices fonciers, vous allez donc économiser la fiscalité liée à vos bénéfices fonciers pendant 5,79 années. Voilà, on peut le présenter différemment. Mais au cumul, on a bien le même avantage fiscal que les années précédentes, puisque par définition, on a chaque fois décaissé exactement le même montant de travaux et que le bénéfice foncier, on l'a considéré étant constant, bénéfice foncier des autres appartements qu'il avait. Et on peut ainsi rajouter l'économie fiscale liée au report des 57 900 euros, donc 57 900 fois 58,2 qui fait 33 600 euros. Bon. Si on cumule la totalité des gains fiscaux, on s'aperçoit que pour avoir décaissé 120 000 euros de travaux, on a une économie fiscale totale Je t'entends de plus, 60 000 Yuri. euros. Comment? Je ne t'entends plus. Ah, on m'entend plus? Est-ce que vous l'entendez? Allô, allô? Est-ce que c'est moi ou Yuri qui a un petit problème? Moi, je t'entends, je ne sais pas les autres. Merci de me répondre dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, avant que je continue. Vous entendez? Est-ce que tu peux tenter de d'éteindre et de remettre ton micro, s'il te plaît? Alors attends, tu vas me poser une colle là. Alors, éteins. Vous entendez Yuri? Ok, alors visiblement c'est moi qui ai un problème. C'est peut-être les oreillettes qui sont déchargées. Bon, donc si on m'entend, je vais continuer et vous me stopperez par le chat si jamais vous m'entendez plus. Donc je Non, disais toi, on que t'entend très bien. C'est moi qui ai eu un petit souci visiblement d'AirPod. Bon, et eh ben je les débranche. voilà. Donc, pour résumer. Je reprends 120 000 euros de travaux décaissés sur 3 exercices, génère un gain fiscal dans mon exemple avec une TMI à 41 et 10 000 euros de bénéfices fonciers, un avantage fiscal de 64 000, pardon, 318 euros, soit un peu plus de 53% de la valeur des travaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fiscalité, dans ce cas d'espèce, paye 50% des travaux de rénovation à mon client. C'est pas rien. Alors, imaginez quelqu'un qui est à 45, voire comme on l'avait imaginé à 49, on aura un effet de levier qui est monstrueux. Est-ce Donc que c'est tu peux, Yuri, s'il te plaît, rappeler à Laurent la différence avec un schéma où le client aurait, décaissé la totalité des travaux en année 1? ouais, tout à fait. Alors c'est très simple. Si dans mon exemple, vous avez compris que chaque fois ici, j'ai 10 700 qui vient en déduction de mon revenu global. Vous êtes d'accord avec moi? Or, ces 10 700, ils ne vont avoir comme effet de levier que 41%. Alors que si j'avais décaissé mes 120 000 euros de travaux one shot,
J'aurais eu la première année ici 120 000 euros, donc j'aurais utilisé 10 000 pour venir écraser mon bénéfice foncier, très bien, il m'en restait 110 000. De ces 110 000, j'aurais utilisé 10 700 sur le revenu global. Grosso modo, il me serait resté donc 97 000, 98 700 euros, d'accord? Et ces 98 700 euros qui seraient ici en déficit reportable, quant à eux, ils vont venir écraser les futurs bénéfices fonciers qui sont taxés à 30 plus 41. Donc, je fais gagner à mon client 17,2% de plus que s'il décaissait en 3 fois où chaque fois on a les 10 700 qui n'ont un impact qu'à la tranche à 41. Est-ce que ça c'est important comme question? Merci d'avoir posé. C'est très important de bien comprendre ça. C'est très clair pour tout le monde. N'hésitez pas, hein, faut vraiment pas vous censurer si vous avez besoin qu'on reprécise. C'est très intéressant et Yuri est très pédagogue. Merci, merci à toi. C'est très agréable d'avoir cette présentation avec toi. Bon, bah, Donc, ça semble être OK. voilà. Ouais. Moi, ce que je veux vraiment là, c'est je considérais que j'aurais réussi ce webinaire, parce qu'après, on va passer à quelques photos et au programme. C'est que vraiment, vous puissiez, puisque apparemment, cette présentation va vous être envoyée par Tristan, que vous puissiez à la mano, hein, vraiment, dire voilà, faire un exemple. T'es mis à Et Yuri, 30. Oui. il y a Cyril et Michel qui aimeraient bien que tu répètes une dernière fois, s'il te plaît, pour Bien sûr. la différence entre les deux scénarios. D'accord. Donc, premier scénario qu'on a vu ici, on scinde les travaux parce que le client veut les scinder en plusieurs fois en payant en 3 fois. D'accord? Ça veut dire que chaque fois, dans la mesure où la valeur des travaux est supérieure au bénéfice foncier que l'on écrase, vous êtes d'accord qu'il y a, dans mon exemple, 30 000 euros de poche de déficit non utilisée. D'accord? Avant de passer au report sur les 10 ans, l'État va vous obliger, avec un plafond maximal de 10 700 euros, à déduire cette somme-là du revenu global. Or, votre revenu global, il n'est taxé qu'à la tranche. D'accord? Donc, ça veut dire que à chaque décaissement, le scénario se continue. Et chaque fois, vous aurez 10 700 ici fois 41, 10 700 ici fois 41, 10 700 ici fois 41. Bon, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, je verse mes 120 000 euros de travaux one shot en 2024. Je vais donc écraser mon bénéfice foncier très bien. Je vais avoir une poche de déficit qui va être donc 120 moins 10, qui va être de 110 000 euros. Et de ces 110 000 euros, je vais avoir 10 700 sur le revenu global. D'accord? Et après, je vais avoir grosso modo 97 000 et des cacahuètes, peu importe, de déficit reportable sur les années suivantes. Très bien. Donc, j'aurais effectivement, parce que je ne peux pas faire autrement, gaspillé entre guillemets une seule fois 10 700 euros fois la tranche, puisque dans le report que l'on voit ici, ce report qui est de 100 000 euros dans mon exemple, si jamais on décaisse 120 000 euros à peu près, eh bien, lui va venir sur l'année numéro 2, la numéro 3, écraser un bénéfice foncier existant. D'accord? Et or, ce bénéfice foncier, il a deux taxations. La TMI du revenu global et la CSG. Donc, ça veut dire que dans ma poche ici de déficit reportable, je vais pouvoir l'utiliser à la TMI à 41 plus 17,2, ce que je ne peux pas faire chaque fois sur les 10 700, puisque chaque fois, on n'est que sur le revenu global. C'est ça la différence entre les deux. Alors, vous me direz, sur 3 ans, on va lui faire économiser finalement, si on fait one shot, 10 700 fois 17,2, c'est le manque à gagner qu'il aurait ici et là. Ouais, mais c'est toujours ça de prix. Et ça permet C'est d'optimiser ça, les choses. j'allais te demander de le chiffrer pour avoir des ordres de grandeur. Finalement, c'est les 1720. C'est exactement, c'est 1 720 qu'on va lui faire économiser en plus. Si on Voilà. le Deux décaissait fois. one 2024, on lui ferait économiser 2 fois 1 720 en plus. C'est ça. Parfait. Félix résume les deux cas en disant il est préférable de payer les travaux one shot. Est-ce qu'il y a des cas de figure où c'est pas le cas? Où il vaut mieux payer, à part le cas dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand tu. Mais là, c'est pas un bon signe. C'est quand tu as peur pour que l'opérateur parte avec la caisse. Mais bon, ça, a priori, faut pas la faire du tout, l'opération, si tu as cette crainte-là. Alors, il y a des cas où on peut jouer un petit peu. C'est
mais ça dépend de la volumétrie des travaux, c'est de dire, ben, moi, je ne veux pas ces 10 700, je ne les veux même pas la première année. Ça ne m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois décaisser que la valeur du bénéfice foncier existant. Donc là, dans mon exemple, si j'ai 120 000 euros de travaux et que vous tombez sur un opérateur qui est très gentil, qui va vous dire, moi, je continue les travaux même si vous ne me payez pas, hein, ce qui n'existe pas, mais supposons que ça soit la théorie, eh bien, si je décaisse que 10 000 de travaux, vous êtes d'accord que je vais écraser le bénéfice foncier, il va rester zéro de reportable. Donc là, j'aurai un effet de levier de 10 000, la TMI plus la CSG. Si je fais la même chose ici, eh ben, je vais pouvoir également ne pas subir les 10 700. Et si je fais ça pendant 10 ans ou 20 ans, je vais pouvoir décaisser mes 120 000 euros de travaux. Mais je répète, c'est de la théorie, puisque évidemment, le chantier il avance et que l'opérateur il a besoin de sous pour faire les travaux. Hein? Mais ça peut être valable, par exemple, quand vous avez des gens qui ont 50, 60, 70, 80 000 euros de bénéfices fonciers. Là, c'est plus la même. Parce que quand on le fait faire une opération où il y a 120 000 euros de travaux et que le gars, il a 80 000 euros de bénéfices fonciers, là, on a intérêt à lui faire décaisser que 80 000 pour écraser uniquement son bénéfice foncier, lui éviter de gaspiller les 10 700, et l'année suivante, on décaissera les 40 000 qui viendront impacter que son bénéfice foncier. Dans ce cas-là, ça vaut le coup. Mais quand c'est des petits bénéfices fonciers, on ne peut pas étaler le paiement sur des années et des années. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Ouais. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres points. Alors, on a terminé notre heure ensemble. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont peut-être des obligations. Je voulais, avant de poursuivre, je voulais voir avec toi si, parce que avant que je te demande de reprendre, tu disais bah, que l'objectif de ce webinaire, c'était d'être capable de reproduire, de refaire sa simulation tout seul chez soi pour un client. Est-ce que si on a la demande, nos utilisateurs peuvent faire appel à toi ou à tes collaborateurs pour un cas concret s'ils ont un prospect sous la main à qui ils voudraient proposer une opération? Avec grand plaisir. Et je fais même plus que cela. Je propose, à l'appui d'un avis d'imposition, de faire ce que j'appelle moi un dossier de simulation, dossier dans lequel je vais expliquer pourquoi on prend tel ou tel dispositif, hein, quelle que soit la fiscalité. Donc j'explique pourquoi, quelle est la raison fiscale. Ensuite, je fais une simulation simple avec l'explication de la simulation. Ensuite, j'explique la valeur du prix, puisque l'objection numéro 1 que vous aurez dans les produits rénovés, c'est toujours le prix. Les gens trouvent toujours cela trop cher. Donc, j'explique, je décompose le prix, je le compare au guide des valeurs vénales, etc. Et ensuite, j'ai une petite étude locative. Ça, je peux le faire du jour pour le jour, mais il faut absolument un avis d'imposition parce que les chiffres sont plus précis. Donc, ça, avec grand plaisir, quand vous voulez, du lundi au vendredi, samedi et dimanche compris, ça me va bien. Bon, Et bah, après, si vous avez des prospects avec 8 000 euros de bénéfices fonciers sous la main, n'hésitez pas à faire un petit exemple avec Yuri. Je pense que ça va vous, pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça peut peut-être vous aider à vous approprier le dispositif. Et puis, pourquoi pas faire une première vente tous ensemble. exactement, exactement. Et après, je peux, dernière chose avant que les gens partent et que je finisse rapidement la présentation, je fais également pas mal de visio entre le client, le CGP et moi pour expliquer le dispositif et C'est génial. avoir quelque chose d'intéressant. Et ça, je peux le faire du matin au soir, à midi, le soir tard, le matin tôt, je m'en fous. Bon, bah ça c'est génial. Saisissez l'opportunité. Vous pouvez me contacter. Moi, je vous organiserai quelque chose avec Yuri. Je vais vous laisser mes coordonnées dans le chat pour ceux qui ne les auraient pas encore. C'est profitez-en parce que voilà, finalement, c'est une manière de se former aussi. Exactement, exactement, exactement. Bon, parfait. Je te laisse poursuivre, Ouais. peut-être avec des exemples. Ouais, ça va être très simple. En fait, j'ai fait quelques photos de livraison qu'on a pu faire. Il faut savoir que chez nous, lorsqu'on livre, tout est équipé, les cuisines avec meubles hauts, meubles bas, plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, WC suspendu, douche à l'italienne. Enfin bref, on fait des choses qui sont plutôt sympathiques. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun mal à louer, parce que comme on loue au prix de marché, eh bien, quand un locataire voit ce genre de prestations-là, ben, le bien, il est tout de suite loué. Vous voyez, ça, voilà, des exemples de douche à l'italienne, des exemples de portes, ce n'est pas des portes en carton, hein, qu'on met, hein. C'est des vraies portes pleines avec des vraies serrures. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment qualitatives. Voilà, ça vous donne quelques exemples. Ça, c'est des décorations de parties communes. On a à l'intérieur du groupe une décoratrice d'intérieur qui va aller choisir les couleurs, les luminaires, etc. et qui va proposer à vos clients, in fine, un choix, une espèce de palette de carrelage, une palette de d'évier, etc., pour que le client puisse personnaliser un tout petit peu son bien.
Aujourd'hui, en stock, voici des opérations que j'ai sur le déficit foncier. Donc, ça va de Lille à Lyon, passant par Saint-Émilion, Toulouse, Sète, Aix et Marseille. Et après, voilà, quelques exemples d'avoir. Là, on est sur Lille. C'est toujours des immeubles qui sont placés en centre-ville. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on répond toujours à l'objection, enfin à l'objection, à la règle de l'immobilier qui est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et chez moi, c'est très facile parce qu'effectivement, on achète des immeubles qui sont placés en centre-ville. Et en général, dans des immeubles qui ont de la, une bonne facture. Donc ça, c'est Lille. Ça, c'est Lyon. Lyon, les opérations sont assez rares. Donc là, on est plutôt bien placé. Pour ceux qui connaissent Lyon, la rue Saint-Georges, on est dans le secteur sauvegardé de Lyon. Ensuite, on a une opération à Marseille, rue Grignan, qui était tout près du quartier d'Opéra, qui est une rue maintenant où il y a tout un tas de magasins de luxe. Je suis allé, j'étais surpris, parce qu'il y a 15 ans, c'était encore un coin qui était mal famé. Et là, vous avez Dior, vous avez… Enfin bref, Hermès, vous avez tous ces gens-là parce qu'il y a une espèce de rénovation globale de ce quartier-là qui attire des gens un peu plus fortunés, qui louent, et donc les commerces changent en bas, et ce n'est plus des commerces piteux, ce sont des, voilà, des choses qui sont intéressantes. Donc ça, c'est rue Grignan. Ensuite, Saint-Émilion, vous avez juste la photo de l'avoir, on est en plein centre-ville de Saint-Émilion, et Saint-Émilion, ça peut avoir du sens si vos clients, après les 3 ans d'obligation nue, veulent basculer en meublé, hein, puisque Saint-Émilion, capitale mondiale du vin, ça ne se présente même pas. Je vous invite à aller sur Airbnb, voir quels sont les montants qui sont demandés, c'est pharaonique. Hein. Donc le client a juste à attendre ses 3 ans, et ensuite il switch en loueur en meublé. Toulouse, on est dans le quartier de Saint-Cyprien, si ma mémoire est bonne. C'est pareil, on est au centre de Toulouse. C'est une opération sur laquelle il doit y avoir un ou deux lots qui restent encore. On a une autre opération à Toulouse, d'ailleurs, on en a deux à Toulouse. On est dans le quartier de la Roseraie. Là, typiquement, c'est une maison qu'on a rachetée, qu'on a découpée en appartement dans lequel on fait du déficit foncier, puisque c'était de l'habitation par définition. Et voilà. Je ne sais pas si je suis… Ah, 8 minutes près, c'est pas mal. C'était très bien. Je pense que ça a été très apprécié. Marie a dû partir en cours de route. Elle te remercie pour tes Plaisir. présentations très claires. Bah voilà, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore Gridkey, il y en a pas beaucoup dans le chat, hein, maintenant. Il y a pas mal d'abonnés, mais nous, on est une plateforme d'immobilier neuf et réhabilité. C'est comme ça qu'on s'est connu avec Yuri, puisque tout son stock, comme pour mes autres partenaires, se retrouve sur la plateforme Gridkey. Vous vous abonnez, vous avez accès à tout ce stock qui est commercialisable par vous, puisque nous avons les mandats pour ces biens-là. Vous avez des simulateurs financiers qui, entre autres, peuvent vous préparer des simulations de déficit foncier, mais ça a beau être hyper simple à utiliser, il faut quand même que vous preniez le temps de maîtriser ce dispositif pour pouvoir répondre à des questions et le présenter simplement. C'est pour ça que je maintiens ma proposition d'organiser des points avec Yuri, parce que ça vous sera très utile. Et puis des présentations commerciales automatisées, hein, que vous pouvez en quelques clics générer avec les tableaux financiers, avec tout ça, la présentation des biens que vous avez sélectionnés. C'est traqué, c'est-à-dire que si votre client loue, vous êtes tenu au courant, vous êtes averti par mail de l'ouverture par votre client du document. Comme ça, vous savez exactement quel niveau de chaleur il a sur votre proposition. Et voilà, donc tout ça est disponible. Je vous propose, je vous ai laissé mes coordonnées. Je ne sais pas si vous les avez bien reçues dans le chat. Donc tristan.seguin@gridkey.com, hein, je suis sur la session de mon associé Mathieu Morio, mais moi c'est bien Tristan Seguin, et joignable au 06 69 01 95 40. Je peux vous faire une petite démo à l'occasion de la plateforme sur laquelle à nouveau vous retrouverez tout le stock d'Angélis. Voilà, j'ai été ravi de faire cette présentation avec toi, Yuri. Ça s'est très bien Également, passé pour tout le monde. ravi, ravi. Et puis, bonne continuation à tous. Puis, n'hésitez pas, par l'intermédiaire de Tristan, de me contacter si vous avez besoin d'aide. C'est ça. On fait comme ça. À très bientôt. Bon appétit à tous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.